Les femmes du parti politique Mouvement des Congolais Unis Interfédération du Haut-Katanga ont célébré ce vendredi 6 janvier 2023 la journée de la femme du MCU. La manifestation y afférente a eu lieu dans la salle polyvalente de l'ESIS Salama en présence du secrétaire exécutif interfédéral Haut-Katanga, Patrick Bin Mirambo, de la présidente interfédérale de la Ligue des Femmes, Madame Salima, du président fédéral du MCU Lubumbashi et de différentes délégations venues de toutes les villes et territoires du Haut-Katanga. Dans sa prise de parole, Madame Salima a donné les objectifs de cette activité. Dans l'espace de Haut-Katanga 2021 jusqu'à nos jours, jour pour jour, 3 ans avec à sa tête, la dame des fers Vivian Masengo, affectueusement appelée Mama Waro, la présidente interfédérale du Haut-Katanga. Chers camarades, distingués invités, c'est ici le lieu pour nous de circonscrire distinctement et bien fondé de cette manifestation dédiée exceptionnellement à la femme MCI de la province de Haut-Katanga. Chère maman MCI, nous demandons votre implication aux élections à venir en s'en appropriant énergiquement, fièrement, tous les processus nécessaires pour établir par la centrale électorale CENI. Vous êtes des mères, nourricières et influentes. Alors, prenez soin de sensibiliser aussi ceux qui sont dans vos milieux naturels de vie à s'engager chaleureusement aux enrôlements et à l'identification, car cette opération électorale ne s'opère qu'une fois les 5 ans. Représentant la présidente interfédérale du MCU, Madame Viviane Masengo Empêché, Patrick Bin Mirambo a parlé de l'importance de l'enrôlement. MCI a organisé une cérémonie, manifestation à Léo, Invité pour la circonstance, un expert de la CENI et chargé de l'éducation civique à la CENI Haut-Katanga est revenu sur les innovations apportées dans la loi électorale actuelle. On va insérer au milieu des lois dimension à genre. Ça veut dire quoi? Loi Nassema Efi, lorsque tu t'as déposé ma liste de candidats, comme la liste est un parti politique ou regroupement politique, il n'a présenté 50% de la femme. Il est liste à établir par caution. Ces exposés ont ouvert la voie à une série de questions et réponses. Cette manifestation a été bénéfique pour ses participants. Nous demandons à toute la population de ne pas être distraite et de se préparer en conséquence pour aller être enrôlée massivement à partir du 25 juin. Pour rappel, le Mouvement des Congolais Unis MCU est un parti politique créé en 2019 par l'ambassadeur universel de la paix, Jean-Paul Chivuila Ilunga. Ce parti est implanté actuellement dans 25 des 26 provinces que compte la RDC. Il va aligner les candidats à tous les niveaux lors des élections générales prévues en décembre 2023. Le MCU est dirigé dans la province du Haut-Katanga par Madame Viviane Masengo, appelée affectueusement Mama Waro.